Nicolas, deuxième match sur le banc de la réserve, tes impressions après cette lourde défaite malgré tout face à Oberlotterbach ? Ben, aujourd'hui on est tombé sur une équipe qui jouait sa survie, donc une équipe athlétiquement présente, dans l'envie, au-dessus de la normale. On est venu avec une équipe jeune qui avait fait une belle prestation la semaine dernière contre Auvernais. Par contre Auvernais n'était pas dans les mêmes dispositions qu'Oberlotterbach aujourd'hui et ils se sont rendus compte que l'ADH senior, c'est ça aussi, c'est un impact physique, une envie où on tombe contre derrière des adultes, des gens qui ont un peu plus d'expérience. Et je vais essayer de leur expliquer que, certes, la défaite est lourde, prendre 5-0, ben, ça fait toujours mal. Par ailleurs, de le prendre sur le point positif, de leur dire c'est bien que ça arrive maintenant, on est en fin de saison, on n'a plus grand chose à jouer, le maintien étant assuré depuis deux matchs. Mais de leur dire aujourd'hui, voilà, on va prendre ce mal pour un bien. Vous avez vu ce que c'est la DH senior. Tous les week-ends, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Il va falloir répondre présent physiquement. Et soyez prêts à relancer une nouvelle saison l'année prochaine qui va démarrer sur les chapeaux de roue dans ces principes de jeu-là. Et justement, dernier mot à propos de la saison prochaine. Vous avez déjà défini des objectifs, non ? Du tout. Pour le moment, on est en pleine phase de construction. Bien sûr. C'est vrai que la politique aujourd'hui du club irait tout doucement vers les jeunes du club. La réserve va essayer de s'orienter au maximum vers la formation. Donc il y avait déjà une partie des joueurs probables, possibles de retrouver dans notre groupe la saison prochaine. Donc voilà d'où je reviens, la partie positive de cette défaite qui leur ont permis de voir à quoi s'attendre la saison prochaine. Ok, parfait. Merci Nicolas. Ok, pour les infos du sport et USO TV, Fabrice Muller.
Coach, ça y est, soulagé, enfin, à une journée de la fin, le maintien est acquis au vu des résultats sur les autres pelouses. Oui, soulagé, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une pression énorme qui retombe. Et oui, soulagé, parce que en 8 ans maintenant dans ce club, je crois qu'aucune saison m'a autant bouffé que celle-ci. Donc c'était dur, c'est vraiment très dur psychologiquement sur la fin. Et puis ça, finalement, ça se termine bien. Donc, évidemment, soulagé. Vraiment, ça se termine vraiment plutôt bien avec une victoire 5-0 face à une réserve mulhousienne qui restait elle aussi justement sur une victoire 5-0. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de la rencontre? Tu avais prédit un peu ce genre de victoire? Non, pas du tout. Autant je pensais que Saint-Louis et Sundhofen ne gagneraient peut-être pas contre leurs adversaires du jour, à savoir Aubernais et Rapperswiller. Autant nous, au vu de nos dernières semaines de travail et entraînement, j'étais franchement pas rassuré. J'avais vu que Mulhouse avait gagné la semaine dernière 5-0 contre Aubernais. Ça me rassurait encore moins. Après, je savais très bien aussi qu'ils allaient venir cette semaine avec une équipe rajeunie. Bon, après, au FC Mulhouse, il n'y a pas de mauvais joueurs, que ce soit en senior ou en U18 ou en U17. Donc non, j'étais vraiment pas rassuré avant le match. C'est vrai que ça me surprend un petit peu ce résultat, mais oui, c'est très bien de finir comme ça à domicile en plus, c'est très bien. Et maintenant que c'est terminé, hein, que le maintien est acquis, t'as des objectifs pour la saison prochaine? On a déjà encore un dernier objectif au niveau du club par rapport à l'équipe 2 qui est la montée. Donc je vais discuter avec Christophe et Greg, les entraîneurs de l'équipe 2, pour voir quels joueurs ils ont besoin. Et puis on mettra la semaine prochaine en équipe 2 les joueurs que Christophe et Greg désirent par rapport à leurs besoins dans le 11. Et puis pour la saison prochaine, il va falloir remettre certaines choses au point au niveau de la vie de groupe, au niveau du travail à l'entraînement. Et j'espère surtout que les joueurs qui ont vécu cette saison, qui pour 95% d'entre eux seront encore l'année prochaine, auront pris conscience que si on ne se décarcasse pas, ben c'est des saisons comme ça qui nous attendent. J'espère qu'on saura tirer les leçons de cette saison pour ne pas en revivre une autre comme celle-ci. Ok, parfait, merci Fabrice.